Marcus, quand t'étais dans cette chose, t'as appris d'autres informations? Les locustes originels, les gros, s'appellent des Sions. C'est eux qui donnent les ordres, et ils se servent de nous pour former une armée. Et comment on peut les arrêter? On y réfléchira plus tard. Pour l'instant, la priorité, c'est de retrouver la mère de Kate. Merci, Marcus. Fais chier. Bon, on doit se débarrasser de ces carapaces locustes. Tu m'étonnes. Et avant que des Sions n'en sortent, t'en... Allez, reculez. Je vais les pousser. Bien joué! Allez, continuez d'avancer! C'est bon, la voie est libre! Encore des carapaces, pousse-les! Le chargeur est touché! Oh merde! Abattez ces écumeurs! Ce quoi? Écumeurs, c'est le nom qu'on leur... Bah, laisse tomber, descends-le, c'est tout! Revenons à terre! Ok! Chargeur aussi, on dirait. Bien, il ne reste plus qu'à trouver le bon tunnel et rejoindre le transporteur. Vous avez rencontré des problèmes à l'aller? Dans mon souvenir, ça fait une sacrée trotte. Non, non, rien de grave. On a un moyen de remonter, pas vrai? Oh! Oui! Bien sûr! Ça. Attention, termine droit devant. Ah, allez, relève-moi. Je vais t'aider. Très mauvaise idée. Okay.
trou. Hey James, ce transporteur, il ressemble à quoi au juste? Il est en feu? En feu. Papa, je gère. Hé hey Marcus, on a croisé ce type à l'allée. On doit plus être très loin. La compagnie devant! Tenez-vous prêts! Par ici! On a battu! On y est presque. Un autre écumeur. Vous faites pas avoir. La ruche est à nos trousses. Tiens, prends ça! J'ai eu l'écumeur! Occupons-nous des drones! Oh, sérieusement? Bloquez-vous! Fichons le camp d'ici avant qu'il en arrive d'autres. On fonce au transporteur de minerais, vite! Allez, allez!
Encore des rejetons! Hey, je peux? Super! Le transporteur est en haut de ses marches. C'est ça le chemin du retour? Ils arrivent! Kate, avec moi. James, il nous faut un plan! Ok, réservoir. Explosé. Salle de contrôle. Détruite. Brouillez-vous. Par les airs. Intéressant. Mais bon, impossible. Peut-être pas. Hey, j'ai un plan. Petite précision, j'ai pas contribué à ce plan. Tout le monde, chopez-vous un câble! Allez, tirez! Oh merde! Ah! Vous voyez? Je vous avais dit que ça allait marcher! C'était pas une bonne idée! Étoile, détruisez-les! La mine est en train de s'effondrer! Oh non, 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 non! Oh putain, c'est pas passé loin! Rejetons! Rappelez-moi qui a eu cette idée déjà! Hé, hey, c'est pas encore terminé! Détruisez ces trois vite! J'en ai une! Et dedans! C'est bon, on est reparti! Hey, arrête-toi! Ces rois vont nous écraser! Alors, détruisez-les!
s'arrête pas, on s'arrête pas. Hey, on s'est arrêté. On a pu voler finalement. Hey, papa, tu vas bien? Ouais. Et écoute-moi. Avant d'atteindre la prochaine ruche, faudrait envisager des renforts. Quoi? Tu penses à Jean? Non, un ami. Sérieusement, tout le monde sauf lui. Seulement pour ça, il faut faire un crochet. Un crochet? Et si nous, on avait fait un crochet avant de te sauver? Kate, je te l'ai dit, ta mère n'est bah pas... Bah ouais, tu serais plus qu'un tas de vieille gélatine. Ou même pire. Ouais, entre nous... Difficile de faire pire que de la gélatine. Alors on part la secourir. Maintenant. Papa, c'est sa mère. James, l'autre site fait deux fois la taille de celui-là. T'as été à sa place autrefois. T'avais attendu des renforts ? Oh, merde. Vous pouvez pas voir le cimetière d'ici. Il est de l'autre côté du barrage. Venez. Elles sont à qui, les quatre têtes sculptées sur ce barrage? Personne. Elles représentent les quatre sources d'énergie. L'eau, l'air, le soleil et le gaz. Pas d'émulsion? Ce barrage a été construit avant l'émulsion. Waouh, c'est si vieux que ça. Il reste presque plus de vestiges de cette époque. Il y en a encore quelques-uns. Vous savez, il y a quelque temps, j'ai voulu faire une recherche sur le nombre exact de cimetières locustes. Top secret. Tout ce que j'ai obtenu. Il y en a des dizaines. Peut-être même des centaines. Ils peuvent quand même pas tous être infestés. On va le découvrir, d'une manière ou d'une autre. Bien. On peut accéder au barrage par cette tour de service. Merde, une rafale. Elle sera bientôt là. Alors allons-y, vite. On a combien de temps avant qu'elle s'abatte sur nous? Pas beaucoup. Vermine! Éliminez-les avant que la rafale nous frappe! On n'a plus beaucoup de temps! Descendez dans l'île de la rivière. Cool. Trop tard, la rafale est là. On doit atteindre la tour. On pourra s'y abriter. Vermine, droit devant. Arrête,
rafales s'intensifient. On doit continuer d'avancer. Repoussez-les. Détruisez leur couverture. Ça a marché. Oh, sortez les serpillères. Bien. Ouais, on dirait. Le calme est revenu. Mais on peut plus monter. Il y a une autre tour de service plus loin. Suivez-moi. Est-ce que je suis le seul à penser ça ou cette planète tout entière essaie de nous tuer? Ouais, je confirme. Aux dernières nouvelles, la CGU a imputé des trous. Regardez un peu ça, un des avions de Jean s'est écrasé. On peut peut-être récupérer des choses. Ok, la voie est libre. Rentrons dans la tour. La porte principale est en haut. J'ai besoin d'un coup de main. T'as l'air d'être déjà venu ici, on dirait. Il y a très longtemps. En mission officielle pour la CGU, on va dire. Ça n'a pas l'air très drôle. Ça l'était pas. Ok, je crois qu'on a un problème. Oh, fais chier. Cet endroit est infesté. Alors, au boulot. Retourne dans ton nid.
En voilà d'autres! Attention, sniper! Cette chose est morte. La porte principale est scellée. Je parie qu'on peut l'ouvrir depuis ce poste de sécurité. Ok. C'est bon. Allez, on entre. Je prends ça. Personne n'est venu ici depuis la guerre. Même pas pour chercher les corps? Après la guerre, personne pensait aux morts. On avait trop à faire avec les vivants. Venez, c'est par ici. C'est pas, mais on va le renvoyer d'où il vient. C'est mort. Gros, ce truc faisait la taille d'un porte-avions. Ouais, c'est parti. Alors, c'est là-bas qu'on va, c'est ça? J'espère qu'il y a un ascenseur. Hé, hey, Marcus. Tu viens? Quand t'étais ici avec la CGU, il s'est passé quoi? Ce putain de barrage alimentait la dernière des usines CGU. Je suis arrivé juste avant l'effondrement. C'était une mission d'exfiltration. Plusieurs dizaines de gears étaient coincés. Comment tu les as fait sortir? Je suis pas sorti.
Merde, les rafales en mettent un coup à ce barrage. Moyen le plus rapide vers le sommet. On dirait que tu connais bien ce genre d'endroit. Mon peuple recycle les vieilles batteries. J'ai payé pour la centrale de la CGU. Je les ai. Voilà l'ascenseur. Surprise, surprise. Pas de courant. Si on parvient à charger le circuit principal, le groupe auxiliaire devrait suivre. On a juste besoin d'une turbine qui fonctionne et d'un moyen de la faire tourner. La dernière fonctionne peut-être encore ? Le barrage est à sec, mais... peut-être que le vent la ferait tourner. Alors allons-y. C'est sûrement ce qu'il a sauvé. Qu'est-ce qui peut bien la bloquer ? Hé, hey, viens voir par ici. La vermine a complètement enrayé le mécanisme. Va falloir découper tout ça. Ah, il faut l'activer, les affaires reprennent, on dirait ! Retournons à l'ascenseur. Merde ! Un rejeton ! Ah, putain, ça déchire ! Je m'en suis occupé ! Super ! Retourne dans ton trou ! Ok. Ah merde, ils arrivent de partout. Ok, un petit tour. Ok, la voie est libre. Je vais essayer de s'activer. Attention, des fauves ! On les a eus. Allons voir si l'ascenseur fonctionne. Ah, c'est pas vrai. L'ascenseur est toujours HS. Les vieux circuits n'ont pas dû supporter la surtension. Il faut les relancer. On va devoir faire deux équipes. Une au générateur, une au poste de contrôle. Qu'est-ce que vous préférez ? Comme tu veux, James. Marcus et moi, on s'occupe du poste de contrôle. Vous, vous prenez les générateurs. Kate, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse là-haut ?
Pour l'instant, couvrez-nous pendant qu'on active la première série de générateurs. Ils ressemblent à quoi, ces générateurs? De gros générateurs. Oh! Attention à l'explosion! Ok, à qui le tour? JD, tu dois fermer ce disjoncteur pour qu'on puisse passer. Il doit y avoir un interrupteur en haut. Je l'ai trouvé. Je ferme le disjoncteur. Allez, occupez-vous des générateurs. Merci, continuez de nous couvrir. Oh, et vous êtes vraiment déplanqués. Oh merde, une tourelle! Abattez-le! Joli, tourelle détruite! JD, on est coincé! Trouve l'autre interrupteur! Je gère! Ok. Je ferme l'autre disjoncteur. Allez, occupez-vous des générateurs. Ça surchauffe. Ça y est, ça devrait être bon. Kate, pourquoi le courant ne revient pas? Allez, retournons à l'ascenseur.
Maintenant, on retourne à l'ascenseur de service. En fait, j'avais fait du bon boulot tout à l'heure. Tous. La CGU a fait au moins une chose de bien, vous en prenez tous les deux. N'oublie pas, Kate. C'est ton père qui t'a appris à te battre comme ça. Ma mère. Et mon oncle, Oscar. C'est un ancien gear, lui aussi, comme toi. Établi, on dirait. Espérons que le vent continue de souffler. À mon avis, ça devrait pas être un problème. Ah, enfin, l'ascenseur fonctionne. Venez. Bon, prochain arrêt, sommet du barrage. Allons voir ce qui nous attend par ici. Putain. Sérieux, putain, j'en ai marre. C'est pas bon. Venez, on continue à pied. Bien. On est à mi-chemin, on dirait. Bon, essayons de le toucher à rien. Malade ou quoi ? Transporteur ! Arrêt aperçu ! Oh non, pas maintenant ! Oh ouais ! Un autre moyen d'atteindre le sommet. Ouais, ça veut dire qu'on va devoir sortir. Pas de problème, je suis sûr qu'il fait super beau dehors. C'était ironique, je précise. Si on veut sortir, je pense que c'est ici. C'est un double verrouillage, il y a deux interrupteurs. Ok. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On va devoir la bloquer pour traverser ! Allez, on se dépêche ! Trop facile ! Parfait ! Parce qu'il va falloir recommencer ! À moi maintenant. Encore des drones. Ah, c'est vide.
C'est bon, on les a eus. Mais qu'est-ce que tu... Il y a forcément un moyen plus facile d'atteindre le sommet de ce barrage. Correct, ça s'appelait l'ascenseur. Oh. Ouais. Derrière cette porte. Ok, encore un double verrouillage. Marcus, tu disais qu'il y avait combien de Gears qui s'étaient retrouvés prisonniers de ce barrage ? Des dizaines. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais, je pense que c'est un peu en dessous de la vérité. Ça m'étonnerait pas. La CGU n'hésitait pas à mentir pour protéger son image. Ah, ça me rappelle des souvenirs. Ok, ça a l'air cool. Faites gaffe, je vois de la vermine derrière ces chaînes. À couvert. Oh ouais. Oh on merde. Faites gaffe aux chaînes. Bon, c'est officiel. Absolument tous qu'on croise essaie de nous tuer. Ils sont morts, en avant, et regardez où vous mettez les pieds. Ok. Bien, sortons d'ici maintenant. Au moins on continue de monter, c'est plutôt bon signe, non? C'est ce qu'on veut, on va arriver au sommet même si on doit y laisser notre peau. Hey! Tu m'as compris. On retourne dehors apparemment. File-moi un coup de main. Double verrouillage, ça veut dire deux interrupteurs. Ah !
devrait faire l'affaire. Et merde. Et pourquoi pas la turbine? Tu veux en faire quoi? On l'utilise. C'est comme faire tourner un petit moulin pour les mômes. Non. Je vois pas. Admire. Vous voyez? Facile! Ok. Ok, Del, allons-y. Mais qu'est-ce que je fous là, moi? Dis donc, c'est une originale, ta copine. Oh, merde! Recule, recule! Papa, fonce! Continue à monter, on arrive. Allez, pas. On prend ces échelles. Tu nous réserves encore beaucoup de surprises comme ça? Pas dans l'immédiat, non? Cool. Oh merde, y'en a là aussi! Pas pour longtemps, butons-les! Allez, pas. On prend ces échelles. Tu nous réserves encore beaucoup de surprises comme ça? Pas dans l'immédiat, non? Cool. Oh merde, y'en a là aussi! Pas pour longtemps, butons-les! Maintenant. Vous êtes
les ai eus. Plus ils sont grands, plus l'atterrissage est difficile. Vous savez, j'ai jamais réellement apprécié ces mots jusqu'à maintenant. Allez, tous dans la canalisation. On commence enfin à se rapprocher du sommet. C'est là qu'on saura à quoi on a vraiment affaire, c'est ça? Ouais. En tout cas, c'est l'idée. Ça alors, pas de vermine. Vous pensez qu'on les a tous tués? Je vais faire un pronostic complètement fou en disant non, certainement pas. Si j'ai appris une chose en combattant les locustes, c'est que c'est pas parce qu'on les voit pas qu'ils sont pas là. Allez, continuons vers le sommet. Enfin, j'ai l'impression que celle-là pourrait bien nous amener au sommet. Venez. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde pas en bas. T'inquiète. Sérieusement, regarde pas en bas. Ok, tu chercherais pas à me faire regarder en bas par hasard? Allez, on y est presque. Bordel de merde. Bordel de merde. Bordel de merde. Ouais, pour une fois, je suis de ton avis. Fais chier, on descend et c'est tout. Il y a un autre moyen d'y arriver. Tu veux dire demander de l'aide? Ma mère peut pas attendre. Hé, hey, si on n'arrête pas ces choses, tout le monde va crever dans un rayon d'au moins 1500 km. Et pas seulement ta mère. Presque tous les gens à qui je tiens ont déjà crevé. Tu te souviens? Oui, je sais. Ah, je m'imaginais pas dire ça, mais... Papa, t'as un moyen de le contacter? Non, pas ici. Tu penses pouvoir appeler de là-bas? Ça pourrait marcher. Alors allons-y avant que ça ne souffle encore plus fort. Si ton ami peut rien pour nous, je reviendrai. Et je reviendrai seul s'il le faut. Si lui peut rien faire, t'inquiète pas, Kate, nous on sera là. C'est pas vrai! On doit échapper à une rafale maintenant! Si on franchit le barrage vite, on peut arriver avant la tempête! Allez, on doit pas s'arrêter! Par ici! On est mal! On est vraiment très mal! Vous arrêtez pas! Venez, on peut passer d'une tête à l'autre! On a des drones! En voilà d'autres, attention! Là-bas, un sion! Oh, bordel, y'en a deux, là! Super.
Ok. Je peux te dire que la rafale s'arrange pas. Je propose qu'on attende. Impossible. Pas si on veut pouvoir sauver Rena. Lance les bombes vers la tourelle!
descend. Attention! Serre-toi du vent! C'est reparti! Lance les bombes en direction de la tourelle! Je relance! C'est parti! Encore! Attention à l'explosion! Je lance! Attention! Et c'est reparti! Serre-toi du vent! Boule! Allez, il faut détruire cette tourelle! Encore une! Serre-toi du vent! C'est parti! Lance les bombes vers la tourelle! Encore! Allez, il faut détruire cette tourelle! Lance les bombes sur la tourelle! Attention! Je lance! C'est reparti! Les nuages, voilà la nuée. Sérieux? Attention, sniper! M'en suis occupé. Un meuglard! Coupez des souches! Super! Allez les gars, on doit y aller. La tempête s'intensifie. Attention, allez devant. Oh ouais. Je suis à sec. Vite.
besoin d'un coup de main. Ok, qui d'autre est d'avis de ne pas retourner dehors tout de suite? Moi. Juste ici. Centrale sans courant. C'est pas ironique, ça? Ça craint, mais techniquement, non. Le courant arrive peut-être pas jusqu'ici. Faut arranger ça. Si la station n'est pas alimentée, alors la tour radio depuis laquelle on veut demander de l'aide non plus. Ah ! Où est-ce qu'on va comme ça? Spire. C'est une base de la CGU? Non, une ville. Elle est abandonnée depuis des dizaines d'années. Hé, hey, papa, regarde ça. Cet interrupteur pourrait rediriger l'alimentation principale. Parfait. Le courant est revenu partout, même à Spire. Allons à la tour radio. Quelqu'un voulait vraiment que rien ne passe par ici. Hé, hey, ces transformateurs me donnent une idée. Jetez un œil au panneau de contrôle et essayez de découvrir les noyaux. Vous voyez ça? Quelques tirs sur ce noyau exposé devraient suffire à surcharger le système. Il provoquera une énorme sommation. Et dégagera le chemin. Bonne idée. Ok, papa. Ça se voit que t'as déjà fait ça. Non. Mais c'était presque pareil. Allons-y. La tempête fait encore rage dehors. Avec un peu de chance, ça se sera calmé quand on sortira d'ici. J'ai pas vraiment l'impression que la chance soit de notre côté ces temps-ci. Prends ça. Marcus, ton renfort, est-ce qu'on est sûr qu'il va nous aider? Quand on était chez moi, je lui ai dit que j'aurais peut-être besoin de lui. Et puis, je parie qu'il attend près de son téléphone. Ouais, on verra le moment venu de toute façon. Ah ! Celui qui a enlevé ma mère. Elle est bien au bon endroit. Kate, non, ne l'écoute pas. Tu vas me dire où est ma mère? Tu ne retrouveras pas ta mère sans moi. Concentrez vos tirs sur ces croûtes! Allez! Ça prend trop de temps! Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça sert à rien.
exploser. Ouvrez le feu. C'est le moment de tirer!
vite. Vous, les vermines, vous êtes connectés, n'est-ce pas? Dans vos ruches? Alors, transmets ce message. On va retrouver ma mère. Et on va détruire votre saloperie de ruche à ces putains d'occupants!